Bonsoir à tous les gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour faire un essayer de ne pas rire. Un essayer de ne pas rire? Tu te fous de ma gueule? J'ai jamais rigolé devant un essayer de ne pas rire, jamais! Faites pas genre, je sais que vous non plus vous rigolez pas, je sais que vous non plus. Les gens ils se forcent quand ils font des essayer de ne pas rire, ils se forcent à rire. Très bien, monsieur veut faire un essayer de ne pas rire. Monsieur va faire un essayer de ne pas rire. Mais je te préviens, celui-là il va être drôle. Et tu sais pourquoi il va être drôle? Parce qu'on va pas prendre des vidéos de merde prises au hasard, non. Alors maintenant tu t'installes ton gros cul sur ta chaise, tu check la chaîne du bon plan du geek, de la Play Comedy Club, de Kevin Hator et la mienne bien entendu. Donc tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu la regardes, tu rigoles pas, tu peux laisser un like et t'abonner à ma chaîne aussi. Et voilà, maintenant faut que je ramasse mon bordel. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Call of Duty malheureusement, mais j'ai décidé de faire cette vidéo en personne. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tout simplement des grosses mères. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez, mais j'ai pensé de passer à toi. Et mon coup de Twitter. Fils de pute, ma lumière. Par commentaire, ça va y aller, je suis sûr. Après, bon, c'est vrai, cette série reprend les clichés des animés de sport et de combat. Mais là, c'est des toupies. C'est débile. Mais t'es pas blessé? Il essaie de se lever. Mais il va très bien. Tu peux y arriver. Mais vous êtes tous cons! Bah bien sûr. Cette série, finalement, ça n'est qu'une fusion entre Pokémon et Olive et Tom, et on retrouve les habituels délires de tous les animés sportifs. J'avais déjà du mal à croire dans Olive et Tom que le public s'est déplacé par milliers pour voir des poussins jouer. Mais là, c'est même plus des joueurs, c'est des toupies minuscules de 3 cm. Le mec là-haut, il fait quoi? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de problème, parce qu'avant un premier rendez-vous, je me répète toujours des petites phrases d'accroche avant d'y aller pour éviter de me liquéfier. Salut, Jérémy, enchanté. Tu es super mignonne. Est-ce que tu veux que je te paye un verre, que je te montre là où j'habite? Autant vous dire que le moment venu, une fois arrivé en face à face... Salut, la vache, t'es super mignonne. Tu veux que je te paye un verre, tu veux que je te montre ma bite? Ça va être violent. Ça, c'est une virgule. Et ça, c'est un merde. C'est pas la Suède, c'est le Brésil. Brésil, mon frère. T'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Comment tu t'es battu, mon frère? T'es un guerrier! Toi, t'es une merde! T'es une merde, Dourmaz! Bah, bien sûr. Non, j'étais pas prêt. Comme quand tu vas aux toilettes et quand tu reviens, ta meuf a ton téléphone dans les mains. Elle te dit, c'est qui Aurélien? Toi, t'es con, c'est-à-dire, tu réponds. C'est ma pote, pourquoi? Bah, pourquoi tu lui envoies des photos de ta bite alors? Bon, j'avoue, je la connaissais, mais elle est marrante. Quand il pleut, t'es plutôt capuche ou parapluie? Quand il pleut dehors, je mets pas le parapluie. Parapluie. Quand il pleut dehors, je mets pas la capuche. La capuche. Parce que j'ai pas peur de la pluie, de l'eau qui coule sur ma tête. J'ai pas pédé, mais du coup j'ai une gueule de con. De quel pied te lèves-tu les jours impairs? Moi en général les jours impairs c'est le pied gauche et les jours pairs le pied droit. Non, non c'est l'inverse. Merde. À chaque fois je confonds, c'est énorme ce qui se passe. Excellent, ça rigole aussi là-bas, c'est génial. On fait une pause s'il vous plaît parce que là c'est trop marrant. Top 3 couleurs. Il fait marquer quoi en dessous de la vidéo? Il fait marquer quoi en dessous de cette putain de vidéo? Ne pas regarder cette vidéo! Et vous, vous faites quoi? Vous la regardez évidemment! Putain, mais ils sont cons! Je leur dirais, ne vous jetez pas dans le canal, ils se jetteraient dedans, hein! Ils sont toujours obligés de pas respecter les règles! En parlant de règles! Lucie! On vous dit de pas cliquer, vous cliquez! Mais bien sûr! Je vous ai pas oublié, hein! T'as de la chance parce que c'est une vidéo, ça va! Imagine c'est un site de cul et qu'il y a ta soeur de 5 ans à côté! Tu cliques et bam! C'est quoi ça? Mais c'est un site de cul! Et pas un site de cul! Putain, vous me donnez envie de casser quelque chose! Demain c'est école! Au lieu de me regarder moi, au lieu de cliquer sur ma vidéo alors que j'ai dit pas le faire! Allez travailler plutôt, non? Non, vous vous faites ça avec vos cours! Non, putain, je dois éjaculer! Ah, oui, je suis pris, cassé alors!
Vous avez l'air gentil, t'as vu? Vous avez l'air gentil, t'as vu? Mais comment je peux faire pour draguer des filles? Comment je peux faire pour draguer des filles? Pour pécho d'art. Pour pécho d'art. Si je le savais, j'en aurais une à côté de moi. Vous voulez que je vous présente ma mère? Vous voulez que je vous présente ma mère? Y'a pas de soucis là. Non mais je suis sérieux monsieur. Quoi? Je suis sérieux monsieur. Vous voulez que je vous la présente ou pas? Non merci. Attends, franchement. Attendez, ça vaut le coup, je vous dis. Maman! Voilà, Dim, ça fait plaisir. Rodney. Ça fait 3 mois qu'on te suit, qu'on sait tout de toi, et t'arrives encore à nier les faits. Ben, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Tu te calmes! Je comprends toujours pas, en fait. Qu'est-ce que tu faisais le 7 juillet 1977 à 7h07 du matin? Ben, j'étais pas né. Et je peux savoir pourquoi t'étais pas né? Bon, c'est clairement une inflammation de la gorge, à mon avis, une petite rhinite, un collecteur d'envoi par jour, une doléprane, ça va passer. J'ai tout de même du mal à croire que tout ceci fonctionne réellement. Au pire, il y aura des dommages collatéraux. Vous ne prendrez pas notre virginité! Dans le plus étrange des cas, je me demande ce que produisent des testicules qui sont aussi durs que de l'acier. J'ai eu peur, putain. Oui? Non, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de regarder mes couilles! Wow! Ça lui fait... Le mec, il a vu mes couilles? Oh putain, il a de ses grosses couilles, le V2F. Jour 3. Le patient n'a toujours pas de remplacement de rein. Je ne sais toujours pas écrire. Jour 3. Je ne sais pas utiliser un crayon. Oh merde! 1, 2, 3, Damien! 1, 2, 3, Damien! Si vous aussi vous êtes là, écrivez je suis là dans les commentaires. Nous ferons un sondage pour savoir quelles personnes seront là à la fin de cette vidéo. Mais le pire, c'est que je te vois pas de chier la gueule que ça dans le cœur. Oh bon sang! Damien, écoute-moi ça! Bonsoir, toi, Damien. N'oublie pas par l'inconvénient si je fais pipi chez toi. Tu peux y aller? Oh. Écoute-moi ça. Oh. Allez, Damien. On est tous ensemble. Je suis là. Alors là, putain, là, c'est... J'en peux plus, quoi. J'en ai fini avec ce essai de ne pas rire. J'espère que ça vous a plu. Le but d'un essai de ne pas rire, c'est de ne pas rire, justement. Et pour qu'il y ait un véritable challenge, il faut que les vidéos soient drôles. Pour moi, il n'y a rien de mieux que les vidéos des youtubeurs qui sont travaillées au préalable et non pas des vieilles vidéos prises comme ça au hasard. J'ai beaucoup ri dans cette vidéo, en effet, mais j'ai pris tous les moments où j'explosais de rire, donc au final, tous mes fails. J'espère que toi aussi, tu as beaucoup ri. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.